on nous demande de sécuriser des zones. Jeanne, voilà. La France a un sentiment d'insécurité et je dois combattre ce sentiment. Mais ça, c'est pas un sentiment, monsieur, c'est une réalité. Je me fais agresser par un crabe, là. C'est pas un sentiment, ça. Il sent que tu te borrasses, moi. Sentiment, monsieur. On a dit sentiment d'insécurité. Alors, bah, si c'est un sentiment, alors... Oui, mais je saigne, là, monsieur, je saigne. Sentiment de saignement. Ah, bah, si c'est un sentiment de saignement, alors... Ça va. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. Jeanne doit lutter contre l'insécurité française, vu que l'État est défaillant. Jeanne a décidé d'aller poutrer toute cette racaille de crabes sur les plages qui enquiquinent les honnêtes citoyens français. Jeanne va aller les purifier à coups de bourre-pif. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. La politique de Jeanne, c'est simple. Tu respectes pas le contrat social, t'aimes pas Rousseau, 2-3 bourre-pif dans la gueule, et on te remet sur le droit chemin. Là, tu t'écartes un peu du chemin, Jeanne arrive, pam pam, dans le cul, hop, hop hop hop. C'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les apcalus crieurs. Sucez-moi la bite, je vous encule vorace, moi. Patate de fou, je suis chaud, bouillant, moi je mens pas les cacahuètes. Alors comme ça, tu respectes pas le contrat social, alors comme ça, t'as pas lu Rousseau, hop, dans ta gueule. Zone sécurité 4 sur 4, voilà. Ben voilà, en moins de 5 minutes. Jeanne a réglé le problème d'insécurité sur cette plage. Voilà le programme politique qu'il faut à la France. C'est le fameux crocodile sauvage. Il a un problème, ce crocodile, en vrai. Ça s'appelle crocodile sauvage. Sa maman lui disait qu'il était spécial, tu vois. Maman disait qu'il était spécial. Bah, c'était pas un compliment. Ça c'est pas très gentil. Bon, tu sais, le crocodile, c'est quelque chose qui a pas évolué depuis des millions d'années. Toi, t'as loupé une branche. Toi, sur le chemin de l'évolution darwinien, t'as loupé une branche, tu vois. C'est... Tes frères crocodiles ne ressemblent pas à ça. Si je suis un crocodile. Non, ça c'est ce que ta maman t'a dit pour te faire plaisir. Mais t'as loupé un truc sur le chemin de l'évolution. C'est pas très sympa. Mais chose t'es gratuite. Un danger inattendu surgit. Oh non. Non. Un monstre musulman intégriste, monsieur. Je les reconnais, monsieur. Non. 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 Ah, il va exploser. Oh non, Akbar. Ah. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Sacré gouffre, monsieur. Quand elle te dit que c'est sa première fois et après, boum. C'est ma première fois, bébé. C'est ma première fois, bébé, sois doux. Tu lui baisses la culotte et voilà le canyon que tu trouves. Ah, ah ouais, c'est ta première fois. Ah ouais. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Vous êtes vilain, monsieur, et vous le savez. Vous êtes pas kawaii déçu. Et quand vous n'êtes pas kawaii, on se fait tabasser. Oh, ça c'est pas très gentil. Mais c'est pas ma faute, hein. Le monsieur ne s'est pas entretenu, regardez-le. En vrai, s'il fait du sport, il se muscle les épaules, il récupère ses muscles atrophiés de ses bras, il ressort, ses yeux reviennent normaux, il enlève la mousse qui a poussé sur ses épaules, bon, il pourrait peut-être espérer vivre un peu mieux. Mais se laisser aller n'est pas acceptable, monsieur. Musculation, yeah, yeah. Musculation, yeah, yeah. Lui, je dois le tuer là-bas. Monsieur, je dois vous prendre le cul flasque. Alors comme ça, on squatte pas. Il se gratte le cul en plus, mais quel gros dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Ah! Un dragon! Jeanne n'a point peur des dragons. Jeanne me fiste les dragons. Regardez comment Jeanne les fiste. Jeanne leur met un petit stun, elle passe derrière eux, et boum! Touché rectal! Touché rectal dans le fessier. Boum. Il aime ça ce dragon, semblerait-il. Vu qu'il se met toujours de dos. Le toucher rectal est un examen médical pendant lequel un médecin introduit un doigt ganté et lubrifié dans le rectum du patient via l'anus. Il va apporter plusieurs types d'informations. En avant, la prostate chez l'homme. En avant, en arrière et latéralement, le rectum. L'anus, pour le tonus musculaire. Chez la femme, il peut être complété par le toucher vaginal afin d'examiner la cloison recto-vaginale. C'était Daku qui disait ça d'ailleurs. Que l'équilibre amoureux, et du moins si on s'accorde sur la grille de lecture de la psychanalyse, parce que Daku était un psychanalyste spécialisé dans le rapport relationnel humain, et plus précisément le relationnel amoureux. Daku disait que le relationnel amoureux, sur le long terme, ne pouvait finalement perdurer que si deux besoins primaires de l'individu étaient respectés. Le premier besoin primaire, c'est, je dirais d'abord le besoin émotionnel.
aussi paradoxalement que cela puisse paraître, Dako met le besoin émotionnel avant le besoin sexuel. C'est-à-dire, la tendresse qu'on a vers l'autre, c'est cette fameuse phrase de la chanson de Bourvil, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant doit être nourri. Et Dako disait qu'un des besoins primaires du couple, c'était ça, c'était le besoin de tendresse, le besoin d'être aimé à travers des gestes, à travers des mots, bref, toutes les petites attentions qui font qu'on se sent aimé dans une relation. Et que le deuxième besoin primaire, était le besoin sexuel. Il disait que, sur le long terme, une relation ne pouvait que tenir quand les deux besoins étaient sur une espèce d'équilibre. C'est-à-dire qu'une relation où il n'y a que du sexe et pas suffisamment de tendresse, c'est pas épanouissant, parce que tu ne réponds pas aux besoins émotionnels de l'autre. Mais à contrario, une relation purement basée sur le relationnel ne pouvait pas rester équilibrée sur le long terme, parce que la frustration sexuelle viendrait rajouter des ressentis négatifs qui viendraient polluer la relation. Et du coup, pour Dako, il était important dans une relation, et il ne te disait pas comment le faire, il te donnait une ordre d'idée, après, libre à chacun d'aimer comme il le souhaite, mais l'idée, c'était de respecter cette balance de besoins émotionnels, c'est-à-dire les intentions qui font qu'on se sent aimé de l'autre, parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, et ça doit être ressenti par des actions, par des choses qui font qu'on se sent aimé par l'autre, mais aussi le besoin sexuel, c'est-à-dire prendre en compte les besoins naturels et sexuels qui régissent le corps humain. Et que si l'un des deux faisait défaut, sur le long terme, la relation allait forcément se casser la gueule. Et c'est quelque chose, bien que je ne suis pas forcément friand de la grille psychanalytique de manière générale, c'est une vision que je trouve assez pertinente. Si ta femme, tu l'aimes pas, elle ira se faire aimer par quelqu'un d'autre, et si ta femme, tu la baises pas, quelqu'un d'autre s'en occupera aussi. Oh, pour arriver jusqu'ici, vous avez dû supporter tout le malaise qu'il y a dans cette vidéo. Eh bien, bien joué à vous. En tout cas, vous voilà maintenant au courant du retour des aventures de Jeanne d'Arc la Petite sur mes live Twitch. Vous pourrez la retrouver sur les serveurs Mogleux, au sein de la guilde Tortuga. Je profite d'ailleurs de cette fin de vidéo pour remercier notre chef Amalia pour le travail qu'elle fait sur le Discord de notre guilde, qui me permet de me sentir beaucoup moins perdu dans la reprise du jeu. Et aussi à ce cher Faora, qui m'accompagne dans la découverte des aspects du jeu que je ne connais pas encore. Alors merci à vous deux, car vous participez grandement au plaisir que j'ai de redécouvrir cette aventure. Sur ce, je vous fais des bisous, et au plaisir peut-être de vous retrouver sur Twitch pour participer à la suite des aventures de Jeanne d'Arc, la Petite.